Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chaos. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que j'ai super mal au crâne. Bah, on s'en fout, mais c'est juste que si jamais il y a des moments où je pars un peu en sucette, c'est normal. Donc écoutez, alors, c'est le « on vous fait plaisir » et en même temps, c'est la présentation du Master Set de Soleil et Lune. Vu que le 2 va pas tarder à sortir pour le commun des mortels. Bon, on aurait dû l'avoir mercredi, jeudi, finalement on l'a pas eu. Donc comme je vous avais dit hier, ça m'énerve un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc écoutez, on va y aller. N'oubliez pas qu'en même temps, au cours de la vidéo, il y aura trois petits indices. Avec les trois indices, vous me trouvez le Pokémon et vous gagnez un booster Vigueur Spectrale. C'est ce qui est revenu le plus et même en message privé. Donc on va y aller sur du Vigueur Spectrale, bien apprécié quand même la série, hein. Donc allez, on est parti. Donc qu'est-ce qu'un Master Set? Donc le Master Set, en fait, si vous voulez, c'est avoir toutes les cartes de la série, plus donc toutes les variantes, à savoir donc les Reverse. Voilà, donc là vous voyez, hein, il y a les normales plus les Reverse. Et aussi les trois cartes, parce que là il y en a trois des decks, donc les trois cartes mosaïques des decks. Je sais même plus, ça doit être Felinferno, Archéduc, Oratoria, non, c'est pas ça? Bon, en tout cas voilà, donc on les a, mais ceux-là on les a pas sortis des decks parce qu'en plus on n'aime pas trop ouvrir les decks. Du coup voilà, bah écoutez, on est parti donc avec un petit chenipan crisacier papillusion. Voilà, première gêne, forcément, moi j'adore, c'est comme Paras, Parasect et Scarabrut. Voilà, c'est juste ça, voilà, ça c'est beau, c'est parfait. Donc le petit Arachdo, pardon, Mascadra Brindibou, donc vous le voyez, attendez, je vais essayer de vous lever un peu ça. Tac, donc elles sont bien en reverse. Hein. Ouais, ça, il n'y a pas de problème. Ouais, je. Pas sûr qu'on les voie d'ici, même en zoomant, je suis pas. Non, je pense pas. Bon, de toute façon, on va faire ça comme ça. Donc, tac, on enchaîne ensuite, on reste dans l'herbe, bah non, dans la plante, avec Eflèche, Archéduc GX, qui. Attendez, je vais faire ça comme ça, peut-être un peu. Voilà, ce sera peut-être un peu mieux. Ensuite, Archéduc GX, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est un Pokémon, bon, je. Ouais, non, c'est. Ouais, c'est pas mon trip. Franchement, c'est pas trop mon trip, mais bon. Larvibule, Mimantis, Floramantis, pas du tout mon trip non plus. Spododo, Lampignon. Ah oui, alors là, par contre, voyez, elle est pas reverse, parce qu'en fait, la reverse, on l'a mise derrière. Parce que nous, voilà, on est de la vieille école, si vous voulez. Et en fait, quand. Attends, c'est vraiment le bordel à sortir, en fait. Hein. Et en fait, quand il y a une carte holographique qui a sa version. Oui, on a refait le coup de l'avoir x2. Hein. Ça, franchement, enfin bref. Donc voilà, vous voyez, tac. Et nous, en fait, vu que. Voilà, on est un peu de la vieille école, on trouve que les holographiques, quand elles existent, ont le mérite d'être devant. Voilà, au tout début, on avait mis, en fait, les reverse en premier pour que tout soit pareil, mais non, c'est pas beau. Voilà, donc il vaut mieux avoir vraiment. Les holos quand c'est des holos. Voilà, c'est tout. Donc ensuite, Candine, Sucrène, Caninos, Arcanin. Elle est trop belle cette carte. Franchement, Arcanin, c'est une tuerie. Je peux pas essayer de zoomer juste sur le petit Arcanin là. Tac. Cette carte est vraiment magnifique. Ah oui, ça par contre. Alors attendez, est-ce que maintenant je vais réussir à recadrer tout ce bordel? Ouais, ça devrait aller. Donc Charter, Flamiaou. Salut Flamiaou. Matoufeu, Felinferno GX. Tac, attendez, je vous donne le premier indice. Donc le premier indice, c'est un Pokémon électrique. Voilà. Tac, on enchaîne avec Psychoquacquacquacquac, que j'adore. Franchement, je les adore, ces deux-là. Ah ouais, c'est... Aïe, 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 je les adore. Petit Tartétar Tartar, pareil, j'adore. Je rêve d'un Tartar GX, quoi. C'est comme la Quacquac. Ah ouais, ça, j'en rêve. Coquillasse, Crustabri, mais même Crustabri, parce que j'adore Crustabri. En fait, les Pokémon de première gen, moi, je kiffe. Loclash GX, qui est vraiment belle, hein, quoi qu'on en dise, elle est vraiment belle. C'est pas la plus appréciée, bizarrement, mais bon, elle est vraiment jolie, quoi. C'est pas parce qu'elle a pas beaucoup de PV que, bon, après, c'est encore, voilà, c'est collectionneur avant joueur, ça, c'est sûr. Corailon, Goélise, Béquipan, Otaquin, Otarlette, Oratoria GX. Crabominable, Froussardine, Araquois. Tac, 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 on enchaîne avec un petit Tarambule, faut que je me mette comme ça, ouais. Tarambule, Concombaf, Danticris, Lupio, Lanterne, Chrysapile, Lucanon, Togedemaru, Nosferapti, Nosferalto.
Ouais, j'aime bien. Nostenfer, j'aime bien. Tadmorv, j'adore. Bon, gros Tadmorv, il est sous LSD, mais il est mignon, le gros Tadmorv d'Alola quand même. Soporific, Hypnomade, Mentali GX. Ça, j'adore. Ah, ça, j'adore. Ouais, ça, j'adore. Vorastery, Predastery. C'est. Oui, je croyais que j'avais dit une connerie, mais non, non, c'est bien ça. Tac, on enchaîne avec Cosmog, Cosmovum, Lunala GX qui est là, qui est magnifique, même si je préfère mon petit Solgaleo. Makuhita, Ariyama, Nodulite, Géolite, Gigalite, Krabagar. Tac, tac, tac. On enchaîne avec Quatermac, Bacabou, Trépassable, Ratata d'Alola. Je suis désolé, mais mexicain, non merci. Ratatac d'Alola, maintenant c'est un hamster mexicain, c'est pas mieux. Miaouz d'Alola, je ne ferai aucun commentaire. Persian d'Alola, je n'en ferai non plus. Noctali GX, j'adore. Voilà, bah, j'adore. Rien à dire. Carvana. Par contre, regardez, juste avant qu'on continue, il faut quand même qu'il fasse quelque chose, parce que l'épaisseur du coup du classeur, c'est quand même un truc. C'est un sacré combat, hein. Bon, après, c'est peut-être aussi qu'on met des protections très souvent, et que, en fait, par rangée, bon, il y a 4 cartes, mais c'est vraiment ultra épais, quoi. C'est un mastodonte, hein, quand même, SL1 et SL2, qu'est-ce que ça va être? Bon, bref. Alors, Sharpedo, Mascaïman. Attendez, je me remets comme ça. Escroco, tout là-bas. Crocorrible, Topicœur et Trio Picœur d'Alola. Sincèrement. Sincèrement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est pas possible. Non, là, franchement, non. Non, 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 non. On peut pas faire ça. Autant le Topicœur avec sa petite touffe. Bon, je veux bien. Mais le Trio Picœur, non, c'est pas possible. Arrêtez. Hein. Pitié, arrêtez. Arrêtez, il avait de la gueule avant, quoi. Je veux dire, maintenant, non, c'est pas possible. Hermure, Solgaleo GX, j'adore ce Pokémon. Snubbull, Grumble, pardon. Bombidou, Rubombelle, attendez, je suis peut-être mal cadré, non? Tac, on va faire ça comme ça. Donc, Rubombelle, Mini Draco, Draco, Dracolosse, ça en jette aussi, ça, je trouve ça vraiment super beau. Un Dracolosse GX, sincèrement, ça va être de la bombe. Piafabec, Rapace de Pique, Kangourex. Qu'est-ce que j'ai hâte de SL3. SL3, franchement, j'en ai trop hâte avec ce Dracaufeu Darkrai, mais surtout Dracaufeu. Le Tauros, c'est une carte que j'aime bien. Il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment. Dédicace quand même à ceux qui aiment ce Pokémon, parce que moi aussi je l'aime bien. Mais il n'est pas très très aimé, c'est comme le Hargoust. Evoli, Spinda, Ponchio, Ponchien, Mastouf, Picasso, Picleron, Bazookan, Manglouton, Hargoust GX. Bon, voilà. Le fameux Trump. Bon. Nounourson, Chelours, qui est détesté. Gouroutan, et ensuite on passe au dresseur, mais ils ont quand même plus de gueule quand c'est tout. Je sais pas, franchement, je sais pas si vous voyez. Si vous voyez que, ouais, non, on le voit que ça brille quand même. Donc le Malasada Maxi, Maillet écrasant, récupération d'énergie, échange d'énergie. Bam, on enchaîne avec Multi XP, Super Ball, Chili, Alteo, Lili, Faiblo Ball, Pic Venin, Pokéball, Attrape Pokémon, Potion, Prof Forb, Super Bombe, Repousse, Motisme Adex, échange, Sbire de la Team Skull, en foulard, c'est une beauté. Chrono Ball, Hyper Ball, attendez, je vérifie un petit truc. Eh oui, et ça ne va pas. Donc après, il reste 2 énergies. Et puis, bam, voilà, on a terminé la collection. Voilà, donc les énergies, plante, feu, eau, électrique, psy, combat. Attendez, je vous donne le deuxième indice. Le deuxième indice, tiens. Donc le deuxième indice, c'est une sous-évolution. Donc Pokémon électrique, sous-évolution. Voilà. Donc plante, feu, eau, électrique, psy, combat, obscurité, ténèbres, obscurité, métal, ouais, bon, métal, et fée. Donc voilà, on reprend notre petit tour d'horizon. Donc on s'est arrêté à Hyper Ball. Donc ensuite, il y aura 2 petites énergies, mais voici l'une des plus belles pages quand même, parce que ça, on jette. Donc, double énergie incolore, énergie multicolore. Tac, et bam. Alors, attendez. Donc le petit Floramantis GX, les cartes foulards sincèrement sont quand même belles. Hein. Elles ont un aspect différent des autres foulards. Je sais pas si j'en aurais une à côté, pas loin là, j'en ai pas une à côté. Aïe aïe aïe. Ah mais pour une fois que je veux une foulard pas loin, je les ai pas. Bon, tant pis, bah je suis désolé. Du coup, bah voilà, donc moi personnellement je les trouve vraiment vraiment jolies. Je trouve que ça change la locale, j'adore les couleurs et tout. Ça rend super bien en fait avec le type du Pokémon. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Et encore une fois, j'ai trop hâte de voir la Dracaufeu, j'ai trop hâte, j'en tremble. Donc Floramantis, Loclas, Mentali, Mentali, Mentalo, Lunala, Noctali, Solgaleo, moi je l'adore. Je l'adore. Tauros GX. Bon, bien sûr, tout ça, c'est des GX. Hein.
Argust GX. Ensuite, les petits dresseurs Alteo, Lily, Prof. Forb et Sbire de la Team Skull, qui est une vraie beauté. Cette carte est trop jolie. Franchement, elle est vraiment magnifique. Et rien que pour ça, et vu qu'on n'a toujours pas reçu notre deuxième envoi PCA où il y a plus de soleil et lune, tac, voilà. Voilà, ça c'est beau. Franchement, c'est beau. Voilà. C'était juste la petite parenthèse. Donc, on enchaîne. La Flora Mantis GX, secrète, Rainbow, Ghost, ce que vous voulez, mais moi je dirais secrète parce qu'elle est secrète, n'est-ce pas? C'est bien la 150 sur 149, donc avant on disait toujours que c'était secrète, donc on reste sur secrète, faut pas déconner. Loclas GX secrète, Mantali secrète, Lunala GX secrète, bam! Ah, ça c'est beau, franchement c'est quand même super beau. Donc là, la Noctali GX secrète, la Solgaleo, la Tauros et l'Argust. Franchement, c'est juste... Elles sont trop, trop jolies, ces cartes. J'aimerais bien sortir ma petite Solgaleo parce que j'adore ce Pokémon. Hein, voilà, ça sert plus à rien que je vous le dise. Regardez-moi cette beauté, quoi. Franchement, je sais pas. On dit que c'est pas aimé, machin. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais je suis désolé, quoi. Les cartes sont juste magnifiques. Faut arrêter, les cartes sont magnifiques. C'est vrai, la collection devient extrêmement chère, mais les cartes sont belles. Bon, par contre, il y a des problèmes de découpe. Donc ça, bon, c'est une autre histoire, quoi. Normalement, dans SL2, si je dis pas de bêtises, c'est un peu mieux, quand même. Hein. Bon, faudra voir sur la durée. Donc ensuite, la petite Feblo Ball, qui sert pas à grand-chose. Motis Madex, qui est magnifique. L'échange, l'Hyper Ball. Alors, celle-là, on l'a 4 fois. Hein. On l'a 4 fois, hein, quand même. Hein. c'est magnifique. Il y en a une qui est partie à PCA, il y en a deux qu'on garde dans les doubles, qu'on ne donnera pas, parce qu'on n'échangera pas, qu'on ne vendra pas, parce que cette carte-là, c'est toute une histoire, en fait, entre cette carte et nous. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a même laissé, quand même, dans le classeur, l'Hyperball qui a son petit... tiens, on le verra peut-être pas. Si, là, vous le voyez, là, qui a son petit pet, là. Tac. Ah, là, on le voit, là. Voilà, donc ça en fait on a gardé parce que voilà, c'est toute une histoire en fait avec ces cartes là, c'est top, franchement c'est top. Ensuite les deux énergies, donc l'énergie psy et l'énergie métal secrète, l'énergie psy c'est vraiment la plus belle, et puis voilà. Bah écoutez, bah voilà, bah on a terminé, voilà, on a terminé la petite présentation du Master Set. Donc voilà, on a toutes les cartes de la série, on les a toutes en reverse, donc c'est toutes les cartes plus les alternatives. Donc on a toutes les cartes, on a toutes les reverse, on a les trois cartes des decks. Bon, on les sort pas des decks, mais on les a, donc c'est bon. Et cette page a de la gueule quand même. Franchement, bon, tout ce que j'aimerais moi dans les prochaines séries, c'est que ça par exemple, que ce soit vraiment de l'autre côté, histoire d'avoir une page vraiment que d'ultra. C'est comme là, c'est dommage. Voilà, ça s'arrête ici. Bah non, c'est nul. Après, bon, voilà quoi. Donc bref. Attendez, je vous donne le dernier indice. Ou alors je vous le donne un peu plus tard. Non, je vous le donne tout de suite, comme ça après on peut se quitter. Je peux vous laisser là. Donc le troisième indice, c'est Pierre. Attention, c'est Pierre avec un P majuscule. Donc ce n'est pas une simple pierre, mais c'est bien Pierre. Voilà, voilà, donc écoutez, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouvera, je ne sais pas si on se retrouvera demain, ce sera certainement d'ici, à moins qu'on vous réserve quelque chose de spécial. Ouais, peut-être qu'on vous réservera quelque chose de spécial, donc ça, on verra en temps et en heure. Sinon, vous le savez, c'est brocante plus display. Le lundi, vous savez aussi que c'est les ouvertures en duo, tout ça, tout ça. Donc nous, on se reverra très vite. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, bah, on se retrouvera très très vite. Et n'oubliez pas, vous pouvez gagner votre booster sous blister Vigueur Spectral. J'aurais dû le préparer, je ne l'ai pas préparé, je suis désolé. Mais bon, vous le savez, voilà. Donc il sera vraiment sous blister. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux, c'est une horreur. On voit que j'ai mal à la tête. Écoutez, voilà, bah moi je vous adore, franchement je vous adore, on vous adore parce que Desi aussi vous adore, vraiment, merci pour tout, vous êtes géniaux. Donc écoutez, bah on se retrouvera très très vite, et n'oubliez pas, les 5 premiers à mettre la bonne réponse en com gagnera le booster, enfin aura une chance de gagner le booster quoi. Donc allez, moi je vais vous laisser là, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, tout ça, portez-vous bien, je vous adore, et puis voilà, je suis en train de m'emmêler, c'est une horreur. J'ai jamais eu tellement de mal à finir une vidéo, c'est pas croyable. Je suis désolé, allez on arrête les frais ici, c'est pas possible. Allez, salut à tous.